Congrès de l'ADF, premier congrès européen médico-odontologique qui rassemble un grand nombre de partenaires, 6000 praticiens inscrits à la formation, plus de 30 000 visiteurs, plus de 400 exposants, 101 séances scientifiques organisées, dont 26 internationales qui rassembleront près de 500 conférenciers. C'est une entreprise colossale à laquelle je suis très très heureux de participer. Ce que je voudrais, c'est allier la tradition et la modernité. La tradition, c'est de conserver ce lieu de rencontre entre les différents partenaires, un lieu de rencontre privilégié. Et ensuite, la modernité, c'est d'essayer de trouver de nouveaux standards de formation, de nouvelles techniques thérapeutiques et pédagogiques, et faire appel, et ça je pense que c'est le plus important, à de jeunes conférenciers pour que ce congrès soit marqué par la jeunesse qui arrive. Le thème de ce congrès, il est à l'image de l'affiche qui est derrière moi et que nous avons conçue, c'est rassembler pour innover. Rassembler, la profession va avoir besoin d'unir toutes ses forces pour faire appel aux challenges qui nous attendent. Et innover, c'est faire appel à toutes les technologies qui arrivent et qui vont complètement transformer notre profession et donner des profils thérapeutiques complètement différents. On a pour coutume de dire que cette profession évolue en permanence, mais c'est particulièrement vrai en ce moment. L'évolution est très rapide et le praticien se trouve confronté entre deux exigences. Une exigence de nomenclature qui a complètement changé et qui a changé les modes thérapeutiques et une exigence de performance basée essentiellement sur l'apport technologique que nous vivons actuellement. Et c'est cette double adaptation, parfois antagoniste, qui sera l'objet de notre congrès 2019. Si vous le permettez, j'en retiendrai deux. Retrouvons-nous.